Alors, j'ai remis le chauffage en route et j'ai un problème avec deux radiateurs. J'ai un radiateur qui est tout le temps en position ouverte et un radiateur qui est tout le temps en position fermée. Du coup, celui qui est tout le temps fermé ne chauffe plus la pièce. Alors, celui-ci est toujours en position ouverte. Donc, je vais enlever ce thermostat. Et puis, il y a une petite tige qu'il faut titiller pour le faire refaire fonctionner. Alors, ici, il y a une bague. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le radiateur à fond et faire coulisser la bague en arrière, comme ça. Alors, donc, j'ai bien ouvert le radiateur à fond. Et là, je tire très fort dans cette direction-là. Alors, il y a d'autres systèmes où c'est des bagues qu'il faut desserrer. Mais celui-ci, c'est une bague qu'il faut faire coulisser. Bon, je n'y arrive pas à la main. Donc, je prends un petit outil, je prends un marteau là et je tire légèrement. Ensuite, il suffit de tirer, ça s'enlève. Bon, alors après ici, là c'est la deuxième fois que je le fais pour préparer la vidéo. En fait, ici j'ai enlevé, j'ai nettoyé tout autour là, j'ai enlevé le calcaire. Et ici on voit qu'il y a une petite tige. Et en fait, j'ai essayé de pousser à la main comme ça marchait pas. Donc j'ai tapé légèrement au marteau comme ça pour décoincer. Et on voit que ça. Et maintenant, on voit que ça rentre et que ça sort. Donc après, il n'y a plus qu'à remettre le thermostat. Donc on met complètement sur ouvert. On fait coulisser la bague en arrière et on fait coïncider le détrompeur avec le trou là. On force un petit peu comme ça. Hop. On peut pousser la bague. Et le simple fait de tourner le thermostat, on voit que c'est en train de serrer la bague. Voilà. Normalement, ça doit marcher. Donc je vais essayer de renlever la bague. Donc on ouvre à fond. Voilà, là c'était plus facile. J'ai réussi à la main, sans outil. Voilà, normalement ça devrait chauffer. Oui, alors ça ne devrait pas chauffer. Normalement je devrais pouvoir l'éteindre. Alors là il est ouvert à fond. Maintenant je le ferme et je vais voir si le radiateur chauffe pas. Avant, il était tout le temps en position ouverte. Bon, je viens de remettre le chauffage en route. Donc là, c'est fermé. J'ai l'impression qu'il se passe rien, le tuyau est froid. Alors j'ouvre à fond. Là, on entend l'eau qui arrive. Je referme pour voir. L'eau n'arrive plus. Donc ça a fonctionné. Bon, alors ce radiateur, c'est le contraire de l'autre. Il est tout le temps en position fermée. Donc on ouvre à fond. Ça, la marque, je la connais. Contrairement à l'autre, ça, c'est un Giacometti. Donc on ouvre à fond et on tire la bague vers l'arrière. Hop, ça vient tout seul. Voilà.
Là, on en regarde le petit bitonio là. J'ai nettoyé un petit peu autour. La petite tige là, il faut essayer de l'actionner. Donc j'appuie dessus. Ah ça y est. Là, on entend l'eau qui arrive. Je l'ai débloqué. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre la tige. Donc pareil. On ouvre à fond le thermostat. On met l'encoche en face du détrompeur. On serre. Voilà. Tour. J'entends que ça arrive. J'entends l'eau arriver. Ok, l'eau n'arrive plus. Ok, c'est réparé.